Ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. Bonjour. Si vous partez, s'il vous plaît, monsieur, n'envoyez pas la force. Vous savez, putain, ça fait des années que je travaille avec vous. Ça sert à rien. Je discute avec vous. Ça sert à rien. N'envoyez pas la force, s'il vous plaît. S'il vous plaît, putain, n'envoyez pas la force. Il y en a déjà eu, hier on a foutu le feu au champ. La force, c'est fini. Ça sert à rien. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler à une autorité, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait nous dire où est l'autorité compétente? On peut parler à une autorité. Ça se voit, on peut parler à une autorité. S'il vous plaît. À la force, arrêtez la force. On peut pas lutter contre vous, s'il vous plaît. Vous avez trop de force. Ça sert à rien. S'il vous plaît. On a tellement d'autres armes. Ça fait que votre force. S'il vous plaît, les gars, on ne peut pas lutter contre vous. Vous allez vous entendre, ça, ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Nous, on se fait, là, on finit par là. On peut faire du droit. Reculez, monsieur, reculez. Vous n'avez pas la force. On peut parler au colonel Fabien. On peut parler au colonel Fabien. S'il vous plaît, quoi. Monsieur, vous avez des enfants qui dansent à sa tombe, vous pensez qu'on vous embêter, quoi. S'il vous plaît, monsieur. Je sais que vous entendez, même si vous ne me regardez pas, je sais que vous m'entendez tous. Vous avez des gosses, c'est dimanche, ils devraient être en famille et tout. Non, non, c'est là, justement. Putain, non, j'ai rien, j'ai pas besoin de quoi. Thomas, un petit mot? Je dis clairement aux gendarmes, moi je suis un bon terme avec eux. Faites d'habitude, quoi, il faut pas que ça me. Attendez, ça sert à rien, bon sang. Et pas de GN2L, bon sang. On est chez nous, aussi. Ici, c'est chez nous. Ici, c'est chez nous. Attention, départ de feu! Arrêtez avec les lacrys, ça fout le feu au champ, comme hier, merde! Ça sert à rien! Ça sert à rien! Putain, force à toi! Mais putain, arrêtez! Arrêtez, putain! Ah, putain, arrêtez! Vous voyez bien qu'il est au sol là! Putain! Putain, c'était quoi le coup de matraque là-dedans? Putain, fais chier. Putain, c'est débile. Ah putain, je peux pas rester là. Je te confie ces affaires. C'est pas possible, quoi. Putain. Quel enfer! Pourquoi ils font ça? Arrêtez! Mais arrêtez! C'est débile, putain! C'est débile! Arrêtez ça! C'est débile, putain! C'est débile! Mais arrête!
Putain, les coups de matraque. Merde. Ça suffit pas là. Là, arrête ça. Arrête ça. Arrête. Arrête ça. Pourquoi la violence, quoi? Putain, ils amènent les blindés là-dedans. Putain. Ça va les blessés? Ça va, mec? Arrêtez quoi, merde! Putain! Mais deux blindés, mais vous êtes. Pourquoi faire? C'est quoi ces ordres à la con? Putain, ça va? Quel enfer! Quel enfer, quoi! Et quel enfer! No macadam! No macadam!
Est-ce que vous pouvez faire quelque chose juste pour l'arbre derrière? Regardez, il est en train de prendre feu. Si vous pouvez mettre une petite bouteille d'eau, ce serait cool. Parce que l'arbre est joli. Juste celui-là. Vous voyez bien, ça commence à attaquer bien le tronc. Bah oui, bah c'est dommage pour lui. Bon courage pour la journée. Putain. Ils sont débiles. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça va ? Purée. Pourquoi il m'a foutu une droite ? Salut à toutes et à tous. Les images que vous venez de voir n'étaient que quelques instants parmi les événements qui se sont déroulés hier, c'est-à-dire le dimanche 22 octobre, à Seix dans le Tarn, au lieu-dit de la Crémade. Et avant de vous laisser reprendre le visionnage de ce document, je vais vous apporter un peu de contexte, mais avant tout, si vous étiez présent pendant la manifestation du samedi ou ce dimanche-là à la Crémade, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas été blessé ou alors emprisonné. Et ben, j'espère que les copains du GNSA vont bien, particulièrement Thomas. Pareil pour les copains de La Voix est libre et La Déroute des routes.
toute personne qui a été, qui a assisté à ce déploiement de force, qui n'avait pas de sens. L'État a certainement utilisé pour la première fois sa cellule anti-ZAD pour faciliter avec le préfet l'intervention de 600 gendarmes, donc dans cette ZAD qui existait à peine depuis 2 jours. Elle était installée vraiment très proche du campement pour la manifestation, c'est-à-dire qu'elle s'est créée dans des bâtiments dont les propriétaires ont été expropriés par le trajet de l'autoroute A69. Et c'était un joli corps de ferme, on va dire, et il y avait quelques belles maisons. Et à peine on commençait à s'organiser pour créer les pôles d'information, de nourriture, de vie commune à l'intérieur de cette ZAD, eh bien l'État a envoyé la troupe. Et si on était 11 000 personnes le samedi pour la manifestation Ramdam sur le Macadam, nous n'étions que peut-être 2 000 personnes grand max le dimanche au campement. Et je vous proposerai donc une vidéo dédiée à la manifestation en elle-même. Et je vais aussi ouvrir une deuxième chaîne pour vous mettre et vous proposer l'ensemble des prises de parole, ainsi que quelques-uns des concerts qui ont eu lieu. Donc, soyez aussi assurés que l'État a bien utilisé des grenades GM2L, ainsi que des tirs de LBD, a déployé 2 VRBG, c'est-à-dire des blindés équipés de lance-grenades. Et juste avant, excusez-moi, je viens juste de revenir dans ma cabane et mes vêtements sont encore la lacrymo et on a peu dormi aussi ce week-end. Merci aux hélicos qui passaient dans la nuit à 3 h du matin avec leurs spots ou aux alertes à l'arrivée des gendarmes un peu trop précoces, on va dire. Mais le fait est que lorsqu'ils sont intervenus en fin de matinée, début d'après-midi, il y avait très peu de personnes à l'intérieur du lieu de la ZAD en elle-même. On était bien plus dans le campement à 200 mètres peut-être de là, à écouter le début d'une conférence des scientifiques en panique d'Atécopole. Malheureusement, cette conférence qui s'annonçait très intéressante, en ayant leur point de vue sur ce projet et sur, on va dire, l'état des lieux écologiques et climatiques au niveau du monde, avec nos enjeux de petites politiques locales jusqu'aux grands jeux politiques de la géostratégie. Donc cette opération a fait 40 blessés de notre côté, 10 blessés du côté des gendarmes, et 9 ou 10 personnes ont été mises en garde à vue de notre côté. Du moins, c'est les dernières infos que j'ai eues. Je vais donc vous laisser poursuivre avec ce document complet, en vous souhaitant une bonne journée et je vous fais un bisou des loutres. Allez, salut et bon visionnage. Excusez, j'ai oublié une dernière chose. Un deuxième point de vue sur ces événements sera disponible en fiche par là ou plutôt par là. C'est donc le direct que j'ai fait hier, directement pendant la manifestation, ou plutôt l'expulsion. Et donc vous pourrez comparer, avoir peut-être des détails complémentaires ou non. Et vous pouvez aussi avoir plus d'informations sur pourquoi le projet d'A69 est problématique et quelle est son histoire. Donc dans la vidéo No Macadam Massacre qui sera par là ou bref dans une fiche ou en description, qui était donc la manifestation que nous avions fait en avril, où on était quelque peu nombreux aussi sur la route en elle-même. Allez, sur ce, je vous souhaite vraiment un bon visionnage et bisous les loutres. Salut.
Ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. Bonjour. Si vous partez, si vous voulez, monsieur, n'envoyez pas la force. Vous savez, ça fait des années que je travaille avec vous. Ça sert à rien. Je discute avec vous. Ça sert à rien. N'envoyez pas la force, s'il vous plaît. S'il vous plaît, putain, n'envoyez pas la force. Il y en a déjà eu, hier on a foutu le feu au champ. Ça sert à rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait nous dire oui, l'autorité compétente. On peut parler à l'autorité. Ça se voit, on peut pas en voir, on peut pas en voir, ça passe en marche. S'il vous plaît, s'il vous plaît. À la force, avec la force. Ça se voit, la force. On peut pas lutter contre vous, s'il vous plaît. Vous avez trop de force, ça sert à rien. S'il vous plaît. On a réellement notre arme. Ça fait que votre force. Vous allez vous entendre, ça, ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Nous, on se fait là, on finit par là. Le préfet du bois, reculez, monsieur, reculez. Vous n'avez pas la force. Vous pouvez parler au colonel Fabien. On peut parler au colonel Fabien. Mais qui c'est qui le plaît, quoi. Monsieur, vous avez des enfants qui dansent à sa conduite, vous pensez qu'on vous embêter. S'il vous plaît, monsieur, je sais que vous entendez, mais si vous ne me regardez pas, je sais que vous m'entendez tous. Vous avez des gosses, c'est dimanche, et devrait être en famille, tous. Non, c'est là, justement. Non, non, j'ai rien, j'ai pas besoin de moi. Thomas, un petit mot. François, vous savez qu'est-ce qui se passe? Je dis clairement aux gendarmes, moi je suis en bon terme avec eux. Faites d'habitude, quoi, il faut pas que vous putain, on a des enfants, c'est dimanche. Vous parlez doucement, c'est vous ça pour eux. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Mais voilà quoi, je leur dis clairement qu'ils ont des gosses, quoi. Il faut pas qu'ils. Faut pas qu'ils envoient la force, quoi. Ça sert à rien, bon, ça, c'est des gamins. Ça pourrait être vos gosses qui sont dans les barricades, quoi, s'il vous plaît, quoi. Putain. Je sais pas de quel film vous êtes. Je sais pas. Moi, je peux vous dire que c'est moi, je suis. On a vu quelqu'un qui se bat pour un pays. À quoi ça ressemble? Quelqu'un qui dit je suis chinois et ici chinois, je veux pas de violence, je veux pas de force de l'ordre qui sache qui vient de nous mettre une jeune. Ça n'a pas de sens. Reculez.
débile. Attention, il y a un lacrymo là. Attention, arrêtez, faites gaffe! Faites gaffe! Attention aux civils ici! Dans le fond, ça n'a pas de sens de faire ça. On les avance en fait. Attention! Arrêtez! Mais faites gaffe à lui quoi, merde! Faites gaffe à... Attention à toi, putain! Faites gaffe à lui, bon sang, merde! Arrêtez, faites gaffe! Ça sert à rien! Ça sert à rien pour ça. Pourquoi? Ah purée. Pourquoi? Force à toi. Ah. Putain, j'ai pas de masque. Ah. Purée. C'est pas juste, quoi. Ah. Mais c'est pas juste. C'est pas juste quoi, c'est pas juste. Putain. Putain, mais c'est pas juste quoi. Pourquoi faire ça quoi? Pourquoi faire ça? Ça a pas de sens quoi. Attention, grenade! Pourquoi? Ça sert à rien. Pourquoi déployer de la violence ici, quoi? Purée, ça sert à rien. Ça sert à rien. Excuse-moi. Faites gaffe au départ de feu avec le lacrymo. Ça sert à rien, bon sang! Et pas de GN2L, bon sang! On est chez nous, ici! Ici, c'est chez nous! Ici, c'est chez nous! On est chez nous! Après,
Ça sert à rien. Attention, départ de feu! Arrêtez avec les lacrys, ça fout le feu au champ comme hier, merde! Pas de sens quoi. Purée. Pas de bandit. Putain. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Force à toi! Mais putain, arrêtez! 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 Vous voyez bien qu'il est au sol là! Putain! Putain! C'était quoi le coup de matraque là-dedans? Putain, fais chier! C'est débile! Ah putain, je peux pas rester là! Je te confie ces affaires! Force à toi! Merde, le feu! Quel enfer! Bien joué! Non, c'est bon, garde-le, c'est cool. Putain, leur lacrymo foutent le feu au champ comme hier quoi. Putain. Pas besoin de LBD. Putain, mais quel enfer quoi. Mais quel enfer.
putain! Pourquoi ils font ça? Arrêtez! Mais arrêtez! C'est débile, putain! C'est débile! Arrêtez ça! C'est débile, putain! C'est débile! Mais arrête! Putain, les coups de matraque! Merde! Ça tue pas là! Là, arrête ça! Arrête ça! Arrête! Arrête ça! Pourquoi tu fais la violence, quoi? Putain, ils amènent les blindés maintenant! Putain! Ça va les blessés? Ça va, mec? Arrêtez, quoi! Merde! Putain! Mais deux blindés, mais vous êtes... Pourquoi faire? C'est quoi ces ordres à la con? Putain, ça va? Que du sérum aussi. Putain. Pourquoi? Putain! Un départ de feu! Putain, c'est la misère! Quelle misère, quoi! Quel enfer! Faut pas que ce soit plus. Débile! Un petit peu, moi. Merci. Cool, les gars. C'est vos enfants, bon. Vous êtes connus là. Putain. Voyez bien! Quelques grenades, quelques matraques, mais en dehors de ça, ce n'est pas mon genre, on le sait! Pas de sens, quoi! Putain! Quel enfer! Pourquoi? Putain, faites gaffe, grenade! Putain. Regardez ça. C'est débile. Putain, mais c'est débile! Faites gaffe aux grenades! Putain! Poutre, merde! Regardez-moi ça. Putain, mais... Putain. Ah. Putain. Quelle horreur. Quelle horreur. Pourquoi? Pourquoi? Ça va? Ça va, ouais. Ça va? T'as pas... Juste un peu compliqué, mais... T'as pas eu mal? Enfin, ça va, ça va. T'es sûr? Oui, c'est bon, merci. Ok. Et... Tout va bien. Merci. Et à regarde, toi. Regarde, hein. Les images. Merci à toi.
Appelez les pompiers! Ça n'a pas de sens. Ça devient beaucoup trop dangereux, là. Que dire? Ça vaut pas le coup! Ça vaut pas le coup! Vous savez quoi, là, les gens qui veulent partir, c'est vous. C'est pas nous. Nous, ici, on est dans une maison privée. On nous a prêté. On a tout à fait le droit d'être là. Et vous, vous n'avez pas le droit d'être là. Il y a bien sûr un préfet qui vous cause. Ça, c'est clair. Mais le préfet, il faut qu'il vienne ici et qu'on cause au préfet. Il est hors la loi, là. Monsieur Villebois, trop cher. Pourquoi il n'est pas là, monsieur Villebois? Comme d'hab, comme un homme, trop l'âme des Landes, comme à Sainte-Soline, c'est... Marre de voir les mêmes schémas qui se répètent. C'est quand le dialogue? C'est quand le dialogue? Est-ce que ça a un sens de faire ça? Moi j'en vois pas de sens. Grenade! Putain, grenade! Putain, mais regardez-moi cet enfer, quoi. Appelez les pompiers! Pas de blindés! Plus de pompiers! Vous n'avez pas mieux sur le moment. Coucou à vous. Ouais, ça craint, ils sont arrivés. Il y a une demi-heure, ils ont interrompu la conférence que voulaient faire les scientifiques d'Atécopol pour avoir leur point de vue sur le sujet. Et ils sont arrivés alors même que la conférence voulait juste de commencer, quoi. Et l'intérêt, c'est de vider, la ZAD de la crème. Celle, la ZAD qui s'est montée il y a deux jours, même pas. Déjà, quoi. Oui. Pourquoi? C'est aberrant. C'est une tristesse. Putain. Sortez les instincteurs maintenant! Oui. Mais regardez-moi cet enfer, quoi! Avec l'hélico au-dessus. Ça a lacrymos, ça a LBD. Le VRBG là! Putain, mais. Bon, les deux, c'est vrai. Ils ont envoyé une paire, quoi. Putain, mais quelle tristesse! Un champ qui crame. Quel enfer! Non mais ouais, mais regardez-moi cette terre brûlée, quoi. C'est quoi, c'est la politique de la terre brûlée maintenant avec le gouvernement? Bien joué pour la mise en pratique, hein. Purée. Eh, mais laissez-le faire son job, quoi. C'est ça, quoi. Ouais. Parce que... La chaleur est beaucoup trop forte, quoi. On a une ambulance qui a réussi à passer. On a une ambulance, là. Purée.
Salut à vous. Très joli. Le poussez pas dans le feu! Putain, mais pourquoi? Mais pas de coup de pied! M'attraquez le... Mais m'attraquez pas, putain! Poutre, quoi! Sors de là. Quel enfer! Voilà, allez! L'arbre qui va prendre cher, putain! Bon, mais. C'est quoi cet after-match, quoi? Ça a pas de sens! Ça a pas de sens! C'est quoi le prix à payer? C'est quoi la leçon derrière? Qu'est-ce qu'on va retenir de la journée? Du cramé? J'ai M2L utilisé, ouais. Putain. Quel enfer. Quel enfer. Mais quel enfer, quoi. Regardez. C'est ça la terre? C'est quoi? C'est ça qu'on va obtenir? Purée! Putain! Quel malheur, quoi! Mais quel malheur! Putain! Mais quel malheur, quoi! Quel malheur! Quel malheur. Regarde, celle-là, on va mettre au moins 4 balais dedans. Oh, mais vous n'allez pas faire rentrer le blindé maintenant. Ça n'a pas de sens de faire ça. Ça me répugne. Mais non, mais... À quoi ça va servir? Faire des ornières? Bien joué, ça va être réussi, ça. Il y a le feu sous votre blindé, d'ailleurs! Faites gaffe! Je vous dis ça juste. Purée. Ouais, c'est vrai qu'ils ont des systèmes pour les éteindre. Grenade! Putain, voilà les GUNL. Ça, c'est grenade GUNL. Dispositif balistique de zone.
Putain, GM2L, mais arrêtez, quoi! Grenade! Putain, mais... Mais pas dans le feu, quoi! Merde! Grenade! Voilà ce que ça fait, quoi. Merde quoi. Putain, je vais essayer d'éteindre au moins celui-là quoi. Quelle misère! Laisse à qui les fachos! Quoi? C'est ceux qui vous gouvernent! C'est ceux qui vous gouvernent! Ceux qui donnent les ordres! C'est les fachos! C'est ceux qui vous gouvernent! Quoi, c'était quoi? Salut à vous, merci de regarder. Et dites-leur qu'ils sont fous, quoi. GM2L, faites gaffe! Quel enfer! Quel enfer, quoi! Ça n'a vraiment pas de sens, quoi! Bande de nuls quoi. Juste grosse bande de nuls. Putain. Bande de gros nuls quoi.
Grenade! Pas de sens que de faire ça, quoi. Purée. Regardez-les. Regardez-les. Ça a vraiment pas de sens que de faire ça, quoi. Purée. Ça a vraiment pas de sens que de faire ça. Thank you.
aucun sens de faire ça. Grenade! Tu veux une gorgée de café? Pour le symbole? Ouais. Avec plaisir. Tiens, ça avance toi. Il est un peu sucré. Santé. Ils sont débiles. Ils sont des femmes. Enfin, merci. Beaucoup. Désolé pour tes yeux. Ah. Non, c'est bon, t'es bien. Ça va? Non, c'est bon. Ouais. Merde, ils sont avancés quoi. Pourquoi faire? C'est quoi le projet derrière? Ah bah t'es vaillant! Ça va? Tu veux une gorgée de café? Bah écoute, avec plaisir, ouais. Bien, juste d'être fait. Ah, ça c'est génial. Je t'en prie. Y'a du sucre dedans, c'est ça? Ouais, y'a un peu de sucre. Ah. Ah, je crois que c'est le meilleur café là de la saison. Ça va, ouais, un petit peu café. Non, ça va. Putain, quel enfer. Quel enfer. Quel enfer. Ah, mais quel enfer.
14h. Au plaisir de vous retrouver dans d'autres circonstances. Ouais. C'est ça. Allez, salut. Si ça peut vous être utile pour éteindre les gaz d'alcool. Ouais. Café. Bah écoute, avec plaisir, là. Ok. Merci. Tombe, la liberté, quel abruti, vraiment des grands coulons. Putain, quel enfer, quel enfer. Quel enfer! Ça me réduit. Ça me réduit. Grenade, faites gaffe! C'est bien vrai. Ouais. Quelle tristesse, quoi.
mais vraiment, mais... Faites gaffe. Reculez. Quelle débilité, quoi. Regardez-moi ça, l'état du terrain. Ça va? Tu veux un coup d'eau? Tu veux un peu d'eau? Tiens, elle est accrochée à la hanse. T'as une goupille. Hop. Je t'en prie. Pourquoi ça, quoi? Oh, quelle tristesse! Je t'ai niqué ta bouteille, je crois bien. Ah ouais? Ah, c'est bon, tu m'en as laissé. Les cafés reçoivent des ordres qu'il faut m'arracher le masque, qu'il faut me porter dessus. C'est débile. C'est débile. C'est leur chef derrière. Non, mais les ordres sont à la con. Est-ce que tu peux me la raccrocher? Enfin, tu peux la terminer si tu veux. Hein. Non, non, c'est bon. T'es sûr? Merci beaucoup. C'est-à-dire que là, je suis chargé sérieusement déjà. Et ils attendent qu'une chose, c'est pas d'être au sol pour pouvoir avancer. C'est débile. Fais gaffe à toi, hein. On se retrouve plus tard quand on sera mieux. Bella, ciao. Merci. Maxime. Ou l'outre-poutre sur YouTube. Voilà. Bella, ciao. Ciao. Fasciste. Regardez-moi ça, ça n'a pas de sens. Le vieux monde, quoi. Le vieux monde. Ce vieux monde. Ce vieux monde. Ce vieux monde. Elle est à nous. 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 À nous, à nous, à nous. Nous, à nous. Quel enfer. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là.
veux pas. L'arbre! L'arbre est en train de cramer derrière vous! L'arbre à droite! Là, l'arbre, vous le voyez pas derrière vous! L'arbre derrière vous, putain! C'est abusé. Quel enfer. Putain. Quel enfer. Quel enfer, quoi. Et quel enfer. No macadam. No macadam. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose juste pour l'arbre derrière? Regardez, il est en train de prendre feu. Si vous pouvez mettre une petite bouteille d'eau, ce serait cool. Parce que l'arbre est joli. Juste celui-là. Vous voyez bien, ça commence à attaquer bien le tronc. Bah oui, bah c'est dommage pour lui. Bon courage pour la journée. Putain. Ils sont débiles. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Ouais. C'est débile. C'est débile. C'est débile. Ici, c'est un terrain privé dans lequel ces messieurs n'ont pas le droit de rentrer. Vous leur dites quoi, là? Alors, moi, je leur dis de reculer. Ici, ils n'ont rien à faire ici. Alors, voilà, ici, ils ne sont pas chez eux. Ici, ils nous laissent tranquilles. Ils n'ont pas le droit d'avancer. Quelle débilité.
Grenade! Arrêtez! Putain, ça sert à rien de grenader! Ça sert à rien! Allez!
ça va? Purée. Pourquoi il m'a foutu une droite? Quoi, merde. Oh. Purée. Ouais, que pour faire quoi. Ah. Putain. Ah. C'est à vous. J'ai eu l'idée de leur tourner, mais j'espère que vous allez bien. Désolé. Oh purée. Thank you.
accélérer. Ah. Elle est à nous. Elle est à nous. Elle est à nous. Elle est à nous. C'est beau. Tu veux un peu de café ? Ça marche. Quelqu'un veut une gorgée de café ? Il est sucré. Ça n'a pas de sens. Cool. Merci. Quelqu'un veut une gorgée de café ? Gorgée de café ? Ça marche. Grenade ! Grenade ! Non, macadam. Il y a des civils devant! Vous l'avez déjà blessé! Quoi que vous en ayez mis avant la tête, votre connard! Ça suffit! Des bisous! De cailloux! Des bisous! De cailloux! Des bisous! Pas de cailloux, des bisous, des cailloux, des bisous, pas de 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 cailloux, des bisous. Des bisous, pas de cailloux. Des bisous, pas de cailloux. À nous, à nous, à nous, à nous.
est à nous. Elle est à nous. Vie contre les autoroutes de mer dont on ne veut pas. Ça va Fabriquer une bonne raison. Pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, alors moi je suis Bernard Boussard. Je suis anciennement, parce que je ne suis pas que ça dans la vie, mais gréviste de la faim, dans laquelle j'ai passé, on va dire, 4 semaines à ne pas manger pour résister contre ce projet d'autoroute. Et de toute façon, une fois qu'on a mis sa vie dans la balance, on est sur le terrain jusqu'à la fin. De toute façon, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas faire cette autoroute. Bien sûr, ils sont tellement puissants, tellement... mais on n'a pas, nous, la force qu'il faut pour résister à cette puissance, mais on en a d'autres de force. Notre force, c'est notre capacité à être ensemble, à être heureux, à comprendre le monde avec d'autres yeux que celui dont on nous le montre. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Vous êtes habitant du coin ? Alors moi, je suis habitant de l'autre côté du coin. Je suis habitant du côté de Bourg-Saint-Bernard, c'est-à-dire du côté, pas Castres, mais Verfeil. Voilà. Et je vois le pays qui est complètement massacré au point que, personnellement, je perds mes points de repère sur, et je loupe les carrefours quand je veux rentrer chez moi ou quand je veux aller chez les amis. Je loupe les carrefours. Il faut se rendre compte à quel point le pays il a été saccagé, mais complètement saccagé. Aujourd'hui, on veut empêcher que ça continue, ce massacre. On veut empêcher le bitume, on veut empêcher les ouvrages d'art, on veut empêcher tout ce qui va concrétiser encore cet ouvrage absolument impossible à imaginer dans le monde dans lequel on veut vivre pour l'avenir. Une autoroute n'a pas sa place dans le monde dans lequel on veut vivre. Une autoroute, c'est le contraire de ce qu'il nous faut pour vivre. C'est vraiment l'antithèse de la vie qu'on veut. Voilà. En train de nous faire massacrer. Pardon ? J'ai 68 ans. J'ai fait beaucoup de professions, mais dernièrement, j'ai été dans une société d'assainissement écologique. Voilà. La police.
Grenade ! Grenade ! Quel enfer ! Pourquoi ? Pourquoi encore une fois ? Vraiment, il n'y a pas de raison à ça. Il n'y a pas de raison. Bella ciao. Isolez l'autre. Quel enfer. Salut à toi, ça va ? Ça va, ou pas ? Ça va, ça va. C'est bon, t'as pas eu. T'es pas... Enfin, on t'a pas fait mal ? Non, bon. J'essaie d'être un peu loin parce qu'il y a un. Oh, c'est un peu le. Ouais. Ouais, c'est marrant. N'hésite pas si tu veux passer à la seconde psy au cas où. Mais ça fait toujours du bien de discuter. Ah, mais merci. C'est cool. Faire. Et pourquoi faire quoi ? Ah. Quel échec. Quelle folie. Si on intériorise tout ça, c'est une folie. Hein.